Alors, je m'appelle Noé Habitat et je suis comédienne. À partir de demain, c'est 10 heures de sport par semaine, en plus des cours et des entraînements le week-end. Hop, 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 hop. Tu donnes tout, là? Non, je regarde un peu. Croule. Vois le mec derrière toi, c'est le coach de l'équipe de France. Et il pense que t'as rien à foutre ici. Il est toujours comme ça, Fred. Avec lui, c'est plus il te casse, plus tu l'écoutes, et plus tu l'écoutes, meilleur tu deviens. Je veux savoir ce que t'as dans le ventre, là, hein? Oui, j'étais très contente et très fière d'en faire partie. Je pense que c'est les rencontres. Pour moi, c'est très important de travailler avec des gens que j'aime et que je respecte. Évidemment, je suis séduite par le sujet, par l'écriture. Mais l'expérience humaine du tournage a une vraie importance pour moi. Bah écoute, il y a Slalom qui sort bientôt là, donc c'est tout. Le reste, ça se dit pas. Bah c'est génial parce que ça enrichit la diversité quoi. C'est d'autres pays, donc d'autres cultures, d'autres manières de réfléchir et de voir les choses. Donc c'est d'autant plus intéressant de recueillir tout ça. Ce qui aurait été encore mieux, c'est de pouvoir avoir un échange avec eux. Mais non, j'adore et c'est très important d'ouvrir les frontières et que le cinéma, enfin voilà, j'adore qu'il y ait un échange entre toutes les populations, tous les genres. Oui, c'était au Caire, en Égypte. Je présentais Ava là-bas. Il s'avère que le film, il n'a pas pu sortir en salle là-bas, je crois, parce qu'à cause des scènes de nudité. Et donc on avait un peu peur finalement de la projection, à l'issue de la projection. Et le public, ça avait été incroyable. Les questions, leur sensibilité, c'était pas du tout les mêmes questions qu'en France. Ils n'avaient pas du tout retenu les mêmes choses par rapport à la liberté de cette jeune fille, à la liberté de son corps, à la nudité. Donc ça avait été très intéressant. Bah, j'adorerais travailler avec Tim Burton. Voilà. C'est compliqué. Je dirais que le cinéma français, c'est un cinéma très spontané, très naturaliste, un peu dramatique, quoi. Je sais pas. Merci.